c'est ma fête et j'ai envie de te faire participer aux célébrations. C'est pour ça que j'ai organisé le challenge Happy New You. On célèbre quoi, Nathalie? On célèbre mes 16 ans d'entreprise cette semaine et 28 ans avec mon conjoint hier. Ça, c'est de la constance, hein? Toi, est-ce que tu as de la constance à bouger régulièrement, à prendre l'air, à bien manger, à cuisiner? Peut-être que non, et tu n'es pas la seule. Tu sais quoi? Je viens de faire un sondage auprès de mes clients et c'est ce qui ressort comme élément numéro un qui les empêche d'être au meilleur de leur forme, d'atteindre leur objectif à chaque année. Et la constance, c'est quoi? C'est quoi la principale difficulté? C'est que souvent, oui, on veut se mettre en forme, mais on n'a pas vraiment de clarté, on n'a pas vraiment de plan d'action comment y arriver. Ou bien on fait des changements alimentaires, mais qui ne correspondent peut-être pas nécessairement à nos besoins. On entreprend une démarche, comme j'ai Caroline qui m'appelle, elle me dit qu'elle vient de perdre 20 livres, mais son médecin vient de l'arrêter parce que son cholestérol est rendu trop élevé. Une autre, Monique, me dit qu'elle est rendue avec des douleurs articulaires, des problèmes de digestion. Donc, quand tu entreprends des démarches, il faut absolument que tu t'assures avant que ça corresponde à tes besoins. Et c'est ce qu'on va faire au jour 1 du challenge Happy New You. Je vais te faire faire un quiz 10 signes que ton corps a besoin d'un reset. Parce que si tu fais n'importe quelle démarche, c'est comme s'il y a une lumière qui s'allume sur ton sur ta voiture et que là, tu te dis, oh mon Dieu, ça doit être mes freins, mais on va faire changer mes freins. Je manque de lave-glace. Je fais plein de démarches coûteuses. Puis dans le fond, tout ce que tu avais besoin, c'était de mettre de l'essence et le meilleur essence. Alors, toi, est-ce que tu mets le meilleur essence pour ton corps pour qu'il fonctionne à pleine capacité? Donc, le jour 2, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais te montrer justement comment optimiser ton métabolisme, comment rééquilibrer tes hormones, comment, en fin de compte, que ces hormones-là et ton métabolisme et ton microbiote influencent ton poids et ta santé ultimement. Et quand tu as des connaissances, il y a encore plus de motivation à faire les changements. Et pour t'assurer que tu fasses ça dans le plaisir, sans restriction, de façon durable, au jour 3, je te montre les 7 facteurs que ton cerveau a besoin, les 7 changements de mindset pour t'assurer justement de maintenir tes objectifs sur le long terme et la puissance de l'alimentation anti-inflammatoire dans tout ça pour t'assurer justement que tu sois en santé. Si tu as du poids à perdre, que tu en perdes, mais que mon but, c'est que tu vives longtemps en santé, loin des douleurs et maladies chroniques. Alors, c'est complètement gratuit. Ça fait une couple d'années que je le fais. C'est ma nouvelle édition, 100% gratuit. J'ai même plus de 1000 $ de prix en tirage. Même, on est rendu à 1500 $ de prix en tirage. Alors, invite tes amis et joins-toi à nous. Au plaisir, on commence le 16.